Ma question s'adresse à M. le Premier ministre, il est absent sur M. Montour pour Agir. Il est bien deux semaines à Matignon. Il a signé avec le président de la région Lorraine et le pacte Lorrain. Un contrat illégal, parce que nous approuvé par le Conseil régional, un contrat banal, avec 150 millions d'euros. Cela représente seulement 4% des 3 milliards et demi annoncés 5 jours plus tôt par le président de la République pour une nouvelle France industrielle. 4%, c'est la part de la Lorraine dans la population française, c'est le droit commun, pas un euro de plus pour la Lorraine. Il n'y a plus l'emballage qui change, ni la mise en scène, ni les familles. L'absolument de cette pièce jouée avec plus de brio encore, la semaine dernière à Florence, c'est la réconciliation entre le président de la République et le leader charismatique de la CFDT. Il mérite deux César, deux Oscars, deux Molière. Réconciliation conceptée et théâtrale. Édouard Martin, Philippe, nous nous sommes expliqués comme à homme. François Hollande, touchant, nous nous sommes parlé des yeux dans les yeux. Pourtant, un homme après sa trahison et la fermeture et au courant de Florence, le président l'a toujours expliqué son incompréhensible refus du plan de reprise parfaitement ferme de Bernard Serin avec 500 millions d'euros sur la table. C'est quasiment opposé à la place du haut pour nous et des titres en suppression d'emploi, un gadget. Une plateforme de recherche publique pour 20 millions d'euros, auquel pouvait sous condition s'ajouter 30 millions d'euros à partir de 2015. Il a dit que dans ce nouveau centre, nous trouverons demain des brevets qui permettront à Berlin de rebâtir une nouvelle sidérurgie lorraine. Pour 20 millions d'euros, vous payez des bâtiments, pas des équipements et encore moins des chercheurs. C'est ridicule. Il existe déjà à 10 km de la Maison de Metz, ArcelorMittal. C'est la NASA de la sidérurgie, le plus important centre de recherche chirurgique au monde. Il coûte des milliards d'euros, il emploie 800 personnes, un budget annuel de plus de 100 millions d'euros. Cette recherche privée est déjà prêtée à la recherche publique en Lorraine, au sein de l'IMT du pôle de compétitivité. Alors 50 millions d'euros sur l'IMT auraient pu avoir un sens. Alors, trois questions. Pourquoi avez-vous, il y a un an, refusé le plan de reprise des hauts cours d'eau? Deuxièmement, croyez-vous sincèrement qu'on va découvrir dans ce centre gadget ce que l'on n'aurait pas découvert dans les centres de recherche qui existent déjà? Et troisièmement, croyez-vous sérieusement que vous pouvez contraindre TICMON à exploiter en Lorraine des brevets quand ils auraient été trouvés en Lorraine? Merci, madame. Il n'y a plus de ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur François, nous avons parlé de recherche et innovation et en point de vue grâce à la recherche et l'innovation. Et donc, j'ai dit que je suis la ministre dans cette France supérieure et la recherche sectée au nom du gouvernement. Dans la Lorraine, et une région industrielle, je voudrais presque dire qu'elle était une région industrielle. Elle a gardé cette culture industrielle, mais malheureusement, son industrie a été fragilisée par le manque d'investissement pour devenir la dernière décennie dans l'innovation et dans la recherche publique. C'est la région qui a été le plus fragilisée au cours de ces 10 dernières années et qui a perdu le plus d'emplois industriels. Je rappelle qu'au niveau national, nous avons perdu 750 000 par manque de monde mondial et par manque d'investissement. L'investissement public comme privé dans la recherche, public comme privé, monsieur Bonnetoué, se devait donc d'être relancé. Les sénateurs du DNP, Prince et Jean-Marc Rossini, que je salue, connaissent bien la situation. Aussi bien, c'est mieux que vous. Le président de la République, François Hollande et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, ont pris toute leur responsabilité de côté de leur ministre opérationnel. Arnaud Montebourg, le ministre de votre ministre de l'Éducation politique, et moi-même, l'enseignement supérieur et la recherche, car il s'agit d'un peu de formation et d'investissement dans la recherche. Un plan ambitieux de recherche publique et privée, c'est démonter et c'est terminer les liens pour reposer la recherche publique et privée. On travaille ensemble avec chacun dans sa boutique. Un grand plan de plus de 300 millions d'euros a été lancé avec plusieurs volets. Un volet qui, effectivement, est un sous-ensemble du centre de recherche ArcelorMittal et qui travaille avec les laboratoires publics et en particulier avec la plateforme CELATEC qui existe déjà avec succès dans 10 000 endroits, dans 10 métropoles. Il y a un autre projet qui élargit le projet existant, le projet LIS, qui veut fournir effectivement des méthodes qui existent pour la métallurgie.
réduit l'impact carbone et vous devriez être votre tête de moi. C'est là-dessus du projet de loi que vous avez un peu raté. Oh non, c'est vous qui avez le rater. Il y a également, une grande plateforme technologique qui va rassembler tout cela. Et tout cela est produit dans un grand accord signé entre la région et l'État. Je rappelle que ces 300 millions d'euros vont constituer un levier d'un milliard et demi d'euros d'investissement, public et privé, et que de notre côté, Nicolas Sarkozy, qui s'est rendu une seule fois pour faire cette promesse sur le s'était engagé en faveur d'un investissement de 17 millions d'euros dans plein d'euros d'investissement. Nous n'avons pas besoin de cela, et nous avons toujours la crise de l'OM, un avenir industriel, un avenir industriel, et pas d'une industrie comme celle que vous avez